Le crack de l'immobilier a commencé. Enfin, si ce n'est pas un crack, ça sera une forte baisse et d'ailleurs, la baisse est là, ça y est, on la voit, on la constate et oui, elle est importante. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai plusieurs articles venant de plusieurs sources qui montrent que la baisse de l'immobilier a bel et bien commencé, elle a commencé à être forte. Jusqu'ici, on parlait de baisse de 1, 2, 3 ce n'était pas très, très inquiétant. Mais là, on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus importants et surtout, surtout, il n'y a aucun signe qui dit que ça va s'arrêter. On a plutôt l'impression que la baisse de l'immobilier va se poursuivre et qu'elle risque d'augmenter de plus en plus, d'être de plus en plus forte. Je vais commencer... Par euh, euh, un journal qui relate euh, ce qu'il y a dans, dans, dans Les Échos, une étude qui a été faite par Les Échos et qui montre que la baisse est assez générale, qu'on la retrouve un peu partout, sauf deux villes, vous allez voir, qui s'en sortent très bien, mais on va voir que euh, la baisse est un peu partout. Selon une enquête menée par nos confrères français, c'est un journal belge, hein, euh, par nos confrères français du journal Les Échos, le marché de l'immobilier français est en, est en crise et connaît une baisse importante des prix au mètre carré. Donc, vous voyez l'argument. Le, le, moi, je vous disais que, que la baisse allait être importante. Vous avez dit 10-15% par rapport euh, à novembre 2022. Et euh, il y avait pas mal de gens qui disaient non, ça n'arrivera jamais, etc. Bon. Vous voyez que là maintenant, ça y est, on est sur des chiffres importants. C'est une étude qui est faite par les Échos, euh, pas tout seul d'ailleurs, euh, mais je, je dirais le nom de. Je crois que c'est Meilleur Taux qui travaille avec les Échos là-dessus. Et on a effectivement une baisse qui maintenant est importante dans plusieurs grandes villes. Et on n'est pas encore aux 10-15 que j'avais prophétisé, mais on s'en rapproche très sérieusement. Le constat est particulièrement observé dans les régions les plus chères et concerne aussi bien les bâtiments anciens que les constructions récentes. Cette baisse des prix a commencé dans la capitale française avant de s'étendre au reste du pays, a commencé par Lyon, dont les prix ont chuté de 8,1% sur un an. Vous voyez, quand je disais 10-15%, on est déjà à 8% sur Lyon. On y arrive, on y arrive très très rapidement. Et ça s'accélère, ça s'accélère vraiment maintenant. Atteignant un prix moyen de 5026 euros au mètre carré. Du côté de Bordeaux, on constate une baisse de 8,6%. Dont 1% en un seul mois. 1% en un seul mois. On a vraiment la baisse. Alors Bordeaux, il n'a plus touché des villes. Hein. Vous verrez les, les différentes sources, parce que j'ai différentes sources pour cet article, vous verrez que les différentes sources sont claires, c'est Bordeaux qui est le plus touché. Les villes de Nantes, moins 5,2%, Rennes, moins 3,9%, Montpellier, moins 3,1%, connaissent également une baisse des prix de l'immobilier. Un déclin qui s'apparente plus, plus à un retour à la normale, avec des tarifs plus modérés. Par rapport aux revenus et au pouvoir d'achat immobilier, des habitants relatent les échos. Alors, est-ce que c'est un retour à la normale Oui. Vous savez, je dis, enfin, ça fait longtemps que je le dis, que les prix de l'immobilier sont complètement fous, qu'ils accélèrent beaucoup, beaucoup plus vite que les revenus. Or, sur une très longue période, quand vous regardez les prix de l'immobilier, très longue période, je parle centaines d'années, euh, les prix de l'immobilier accélèrent comme l'inflation. Ils augmentent comme l'inflation. Donc, sur une très longue période. Donc, quand ils ont commencé à augmenter beaucoup plus vite que l'inflation, notamment depuis que la BCE a mis des taux zéro, ce qui était totalement aberrant, mais ce qui a permis à des gens d'acheter, notamment beaucoup de SCPI, etc., d'acheter à des prix, enfin avec des taux d'intérêt extrêmement faibles, donc de faire des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire, euh, le, le... donc notamment depuis que les taux d'intérêt étaient à zéro, les prix de l'immobilier avaient explosé. Beaucoup, beaucoup plus vite que l'inflation, beaucoup, beaucoup plus vite que le revenu des ménages. Et ça, c'est une anomalie. Et donc, à partir de ce moment-là, j'avais dit, il y a une anomalie de marché qui se crée. Vous pouvez voir sur ma chaîne principale Droma Economy, j'en parlais déjà. Il y a une anomalie de marché qui se crée, ça va corriger. Et là, en début d'année, je vous ai dit, bah, la façon dont ça va corriger, c'est que euh, les taux d'intérêt sont en train de monter. Comme les taux d'intérêt montent, eh bien, il n'y a plus des CPI, etc., qui peuvent s'endetter avec des taux à zéro et donc, ou des fonds qui vont s'indéter avec des taux à zéro, donc il n'y aura plus d'acheteurs pour ces biens. Donc vous allez avoir d'abord un plateau, hein, parce que les vendeurs et les acheteurs sont dans les phares de la voiture. Les acheteurs ne peuvent pas acheter à cause des taux d'intérêt, mais les vendeurs, eux, ne veulent pas vendre parce qu'ils sont convaincus que leur maison, que leur appartement vaut 100 000 euros ou vaut 1 million d'euros, et ils refusent de baisser les prix parce qu'ils ont encore dans la tête des prix qui augmentent, mais il y a un moment où les, acheteurs for les vendeurs forcés parce qu'ils héritent, parce qu'ils déménagent, les vendeurs forcés doivent se mettre à vendre, ou parce que ce sont des fonds qui sont trop endettés, ce que l'on voit énormément en ce moment, notamment dans l'immobilier commercial, donc c'est un autre type d'immobilier, mais peu importe. Il y a des vendeurs forcés qui vont commencer à vendre, ils vont entraîner ou ceux qui ont des, excusez-moi, je fais des digressions, mais ceux qui ont des, des logements classés F ou G qui ne peuvent plus louer, et sur lesquels les prix de... de, de, de de, de, des travaux sont très élevés, donc ils peuvent peut-être pas financer les, les travaux. Eh bien, ces gens vont vendre, ils sont obligés de vendre. Ils vendent, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas d'acheteurs en face, donc ils vont accepter des baisses de prix. Et ça va emballer le marché où on va voir de plus en plus de baisses de prix. Les acheteurs, eux, vont voir que les prix baissent et vont l'enregistrer. À ce moment-là, ils vont commencer à faire pression sur les vendeurs. Les vendeurs eux-mêmes vont voir que les prix baissent. Donc Certains vont être qui sont pressés, qui malgré tout n'étaient pas dans l'urgence de vente, mais vont se dire Mon Dieu, il faut que je vente avant que la, 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 la baisse soit trop forte. Et ils se mettent à vendre de plus en plus, ce qui entraîne une baisse des prix et ce qui peut entraîner une baisse des prix supérieure à 15, aux 15% que j'avais annoncé. Moi j'avais 10-15%, mais là on est dans une telle situation et l'État y a mis tellement sa marque avec ce fameux DPE qui empêche euh, euh, les, 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 les locations euh, des. des des appartements et des maisons classés G et F dans, dans l'avenir, eh bien, il y a tellement mis sa marque que ça a accéléré les choses. Et donc, on a une baisse qui va s'accélérer. Mais là, donc, euh, on voit ce, ce, ce problème. Euh, Est-ce que c'est un retour à la normale Oui, mais on était tellement haut. Les prix étaient devenus tellement délirants, tellement délirants que le retour à la normale... Ça peut entraîner une baisse extrêmement importante. Extrêmement importante. Il ne faut pas croire qu'on va s'arrêter aux 8% de baisse à Bordeaux. Il y a de bonnes chances que ça, en... que ça baisse beaucoup plus. Ou à Lyon. Il y a de fortes chances que ça baisse beaucoup plus. Par ailleurs, seuls Nice et Marseille, donc ça, ces deux villes, c'est incompréhensible. Ni... Euh... Non, j'allais dire Marseille, il y, y, y a de l'argent à blanchir, mais c'est méchant. C'est méchant. Donc ce pas ça. Euh, par ailleurs, seul Nice, plus 7,9%, et Marseille, plus 2,2%, connaissent une hausse du marché. Je ne connais pas particulièrement l'immobilier à Nice et Marseille, donc je ne veux pas m'engager là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en principe, à moins qu'il y ait vraiment une raison structurelle liée à ces deux villes, raison qui m'échappe, à moins qu'il y ait une raison vraiment structurelle, elles vont aussi tomber. Comme les autres. Il n'y a aucune raison. Sauf s'il y a une raison structurelle, bien sûr. La valeur des maisons en vente rurale a aussi progressé avec une hausse de 3% sur un an. Oui, mais ça, j'en avais déjà parlé. Euh, cette, euh, pardon, mais cette hausse serait divisée par deux par rapport à 2022. Ça, j'en avais déjà parlé. Les maisons individuelles, si on regarde sur un an, effectivement, on a une hausse, mais si on regarde les derniers mois, on est sur une baisse. Donc, en regardant, vous savez, je vous avais montré comme ça ma main, et je me, hop, j'essaie de la mettre comme ça. Évidemment, si vous regardez ça et mon coude, vous, vous dites, ah, mais c'est en hausse, tout va bien, c'est en hausse. Oui, mais si vous regardez, excusez-moi, j'essaie de le mettre, mais si vous regardez de là à là, vous êtes en baisse. Et en fait, ce que vous dit la courbe de ma main, c'est qu'on va vers une baisse, pas qu'on va vers une hausse. Donc les 3% de hausse des maisons individuelles à la, à, à, dans, dans des secteurs rural, c'est un effet d'optique. Ce n'est pas vrai. C'est un effet d'optique. On va avoir une baisse, probablement, dans les zones rurales aussi, des maisons. Euh, pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées dans d'autres vidéos. Hein. C'est-à-dire que les gens, euh, au début, il y a un effet coup de cœur euh, de se dire, ah, suite au Covid, de se dire Ah, mais mon Dieu, euh, on est quand même mieux à la campagne qu'en ville. Donc euh, les, les gens vont aller, euh, ont, ont voulu acheter des choses à la campagne plutôt qu'en ville pour avoir un bout de jardin, etc. C'est très louable, j'ai rien contre. Hein. Euh, Moi-même, je suis mieux à la campagne qu'en ville. Mais euh, euh, ils se sont aperçus que euh, bah, la campagne, il y a des coques euh, qui, qui chantent, il y a des grenouilles qui couassent. Euh, ils se sont aperçus euh, qu'il fallait prendre la voiture pour tout faire. C'est-à-dire, euh, terminer, vous pouvez pas aller euh, dans votre épicerie euh, à pied. Hein. Généralement, vous y allez euh, en voiture. Si vous allez faire vos courses, il y a euh, 15-20 minutes de bagnole pour aller faire ses courses. Donc, ils se sont aperçus de ça, et ils, les, les ventes de maisons ont du coup euh, diminué, et, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas adaptés à cette vie, tout simplement. Il y a beaucoup de gens à la campagne qui sont contents qu'ils se soient en soi aperçus quand même. Mais, mais voilà. Donc euh, les maisons individuelles à la campagne, je peux vous le dire, ça va aussi baisser. Ça a commencé à baisser. Regardez sur un an, ce n'est pas totalement juste euh, sur ce cas-là. Alors on va voir un focus que j'ai pris sur Boursorama, un focus euh, sur Paris. Parce que Paris est, est un endroit extrêmement parlant, à mon avis. Et après, on verra une autre étude euh, qui est sur l'ensemble de la France et qui me semble très, très intéressante. Très, très intéressante. Euh, parce que euh, c'est euh, des agents immobiliers qui en parlent et qu'ils euh, euh, voient, ils voient ce qui se passe. Quoi. Bon, alors, on fait, on fait Paris. Le prix de l'immobilier parisien a poursuivi leur baisse durant l'été. Pour cette rentrée, les biens se négocient à 9 944 euros le mètre carré. Selon les indices exclusifs, meilleurs agents, les échos. Donc c'est la même étude que tout à l'heure. Ça y est, à Paris, on est passé sous les 10 000 euros le mètre carré. Un bien parisien se négocie en moyenne en dessous des 10 000 euros du mètre carré. Selon les derniers indices, meilleurs agents, les échos. Au 1er septembre, le prix d'un logement atteint en moyenne 9 944 euros du mètre carré. Les prix reculent de 0,2% sur un mois et de 4,5% sur un an. Rapportent les échos. En baisse depuis la crise sanitaire. Ce passage, c'est une longue baisse, hein. il faut voir que c'est un long trend sur Paris. Ça accélère, ça s'accélère, mais c'est un long trend sur Paris. Ce passage en dessous du seuil symbolique des 10 000 euros n'est pas totalement une surprise. En considérant les avant-contrats, les notaires du Grand Paris avaient indiqué que le prix moyen du mètre carré atteignait 10 070 euros du mètre carré au 1er septembre. Tout proche de la bascule. La hiérarchie des prix par arrondissement est de retour, marquée par l'Est parisien en dessous des 10 000 euros du mètre carré, l'Ouest autour de ce seuil et le centre au-dessus, précisent nos confrères Yann Johano, président du réseau La Forêt. Les prix ont commencé à chuter après la crise sanitaire. La moyenne, en moy, euh, la, moyenne la plus haute affichait 10 764 euros au 1er août 2020. Les prix ne cessent de s'effriter d'environ 2% par an sur la période. La baisse s'établit à moins 7,6% au 1er septembre. Donc on a une baisse quand même parisienne de moins 7,6%. Mais vous voyez, ils disent la moyenne, la baisse se fait de 2% par an, mais là sur un an, on est à 4,5%. Donc c'est bien qu'elle accélère, elle accélère sur Paris. C'est-à-dire que vous avez eu deux années à moins 2, et puis là, vous avez une année à moins 4,5. Il s'agit du plus fort recul enregistré à Paris depuis 20 ans, qui succède à la plus longue hausse, période d'augmentation des prix, de près de 40% entre février 2015 et juillet 2020 ajoute les spécialistes donc je reviens pas là-dessus c'est exactement ce que je disais tout à l'heure vous avez eu une hausse beaucoup trop importante pendant trop longtemps qui n'avait rien à voir avec les revenus des ménages rien à voir avec l'inflation du coup il y a une correction qui se fait ce recul s'explique par la difficulté à financer son projet en raison de la montée des taux montée des taux entre parenthèses qui va continuer euh, Christine Lagarde a l'air bien déterminée puisque l'inflation en Europe ne baisse plus Fin 2023, les taux vont approcher les 5% contre 1% début janvier 2022. Résultat, on a assisté de mars à juin 2023 à un repli net des ventes à Paris de l'ordre de 23%. Ça, c'est clairement une indication que ça va continuer à baisser fortement. Les investisseurs locatifs ne répondent plus présents. Tu m'étonnes, mais là aussi, vous voyez... On n'arrête pas de taper sur les investisseurs locatifs. On n'arrête pas de taper sur les investisseurs locatifs. On leur tape dessus en leur disant, il faut faire des travaux pour que votre appartement soit plus classé F ou G. On leur tape dessus avec la taxe foncière à Paris qui augmente de 60%, il me semble. On leur tape dessus avec une inflation qui fait le coût des travaux plus 7%. On leur tape dessus, on leur tape dessus avec une TVA sur les travaux qui va passer de 10 à 20%. On leur tape dessus en leur disant bah « Malgré toutes ces augmentations, vous, vous n'aurez pas le droit d'augmenter vos loyers de plus de 3,6%. » On leur tape dessus en encadrant les, prix, les loyers. Et après, oh « Ah ben c'est curieux Les investisseurs locatifs ont disparu !» Mais il faut être un grand malade pour investir dans le locatif en ce moment il faut être un grand malade. L'État, les communes veulent vous tuer. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce marché Ils veulent vous flinguer. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce marché Il faut être un grand malade en ce moment pour aller faire du locatif. Enfin, je pense. Dites-moi le contraire si vous voulez dans les, dans les commentaires. Moi, je suis ouvert à la discussion. Mais, mais honnêtement, jamais. J'irai faire du locatif à Paris en ce moment. Ni nulle part d'ailleurs. Tant qu'on n'a pas arrêté de nous taper dessus, bougez plus, attendez de voir à quoi ça ressemble. Mais là, tout le monde veut vous frapper. Donc n'y allez pas trop, quoi. Donc les investisseurs locatifs ne répondent plus présents. Tu m'étonnes. De même, on assiste à un effet post-Covid avec la volonté des acheteurs de trouver un bien avec un extérieur en dehors de Paris plutôt que dans la capitale. Ça, c'est plus totalement vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les dernières études montrent que c'est plus totalement vrai. Alors, faut s'entendre. Les banlieues où vous pouvez avoir un petit jardin, ça, ça marche bien. Les banlieues de grandes villes où vous pouvez avoir un petit jardin, ça marche bien. Les. les par contre, le milieu rural, ça s'affaisse complètement. Quoi. Pas complètement, j'exagère, mais c'est vraiment sur la pente descendante. Toutefois, même la banlieue plus verte commence à être gagnée par la dépressurisation des prix, affirment les échos. Comme quoi, vous voyez, j'avais bien de nuancer reste le marché du haut de gamme porté par des, des acheteurs étrangers. Ces derniers répondent encore présents, mais sont plus exigeants. Oui, mais oui, non mais ok, rien à dire. Mais le haut de gamme, c'est pas ça qui fait un marché. Hein. C'est pas parce que le Tchèque, je ne sais pas quoi, peut s'acheter un, un immeuble Place Vendôme à Paris que ça va baisser, que ça va vous permettre à vous d'acheter un appartement en banlieue parisienne. Quoi, Faut... C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, le petit focus sur Paris qui me semblait euh, euh, intéressant, mais vous allez voir qu'on euh, a d'autres chiffres qui viennent d'ailleurs, mais qui sont tout aussi inquiétants. C'est-à-dire que, alors là, là je ne suis plus sur l'ensemble de la France, euh, mais euh, vous allez voir que euh, voilà, ce n'est pas une étude. On est vraiment sur quelque chose de structurel, de structurel et d'important. Je repense au, au, au marché locatif, j'ai fait une vidéo ici, hier dessus, donc je ne vais pas le refaire, mais. L'État fait tout pour tuer le locatif. Il fait tout ce qu'il peut pour tuer le locatif. Tout en disant Mais c'est terrible, les gens ne peuvent pas se loger. Mais tu m'étonnes, Charles Évidemment qu'ils ne peuvent pas se loger, les gens Vous avez tout fait pour dissuader les, gens, les, les investisseurs locatifs. Évidemment que ça crée des problèmes. C'est. C'est une évidence, mais, mais un enfant de 5 ans devrait comprendre ça. La baisse des prix s'accélère sérieusement dans les villes les plus chères, mais de nombreux territoires résistent, en particulier sur le littoral. Donc on va revenir sur Marseille et Nice, vous allez voir, mais il y a un biais qui est euh, que ceux qui parlent de tout ça, là c'est Century 21, c'est euh, des gens qui ont intérêt à vous dire euh, qu'il est temps d'acheter. Donc il y a un petit biais, mais vous allez voir que même eux, parce que Century 21, je rappelle, hein, ils ne voyaient pas de baisse quand moi j'en voyais. Hein. Et pour lui c'était temporaire, c'était juste un petit trou d'air, il n'y avait rien, hein, il y a encore un an. Quand je parlais de ça, j'avais cité Century 21 dans un, dans un article où il disait non, 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 non tout va bien, allez-y, investissez les gars. La correction des prix devient sévère dans les villes les plus chères de France, car ici... La flambée du coût du crédit a des conséquences encore plus lourdes. Les chiffres transmis à BFM Business par les grands réseaux sont frappants. Pour Paris, on est sur une baisse qui va de 5 à 7 sur un an. Vous voyez, tout à l'heure, meilleur taux nous disait 4,5 Là, on est 5 à 7 sur un an. Vous voyez, quand je disais 10-15 sur l'année, je n'étais pas complètement délirant. Il y a également. Enfin, sur les, sur, depuis novembre de l'année dernière, je ne suis pas délirant. Il y a également un recul de 5% environ à Lyon. Et plus particulière et plus spectaculaire encore, Bordeaux, où la baisse des prix dépasse 13% selon Century 21. Vous voyez, les chiffres sont un peu différents de ceux qu'il y avait tout à l'heure sur Meilleur Taux, mais. Parce que tout ça, ce pas des chiffres officiels, hein, mais euh, on, on voit que quand même, voilà. Le, L'idée est la même partout. L'idée est la même partout, ça baisse. Une baisse des prix qui était souhaitée et qui est souhaitable, a estimé sur BFM Business Charles Marinakis, président de Century 21 France, celui qui ne voyait pas la baisse il y a encore quelques temps. Des villes les plus chères de France, seule celle de Nice semble échapper à cette tendance. Chez Orpi, par exemple, on enregistre encore des prix en hausse de 2% à Nice depuis le début de l'année. Dans cette commune, les acheteurs sont, achetés, sont âgés, pardon, ont moins recours au crédit et donc moins de difficultés à financer leurs projets. Au sein du réseau L'Adresse, on constate que les prix résistent d'ailleurs globalement sur l'ensemble de la Côte d'Azur pour cette raison et grâce à la présence d'acheteurs étrangers eux-mêmes moins touchés. Pas des problèmes liés au crédit. Ah oui, on a encore de l'argent à l'étranger. Ça, les Suisses, ils n'ont pas de problème. Donc évolution en pourcentage sur un an des prix de l'immobilier selon Century 21. Donc là, plus 12 à Marseille, ça, je ne comprends pas. Je vous laisse regarder les chiffres. Moi, ça me paraît plus que surprenant, mais OK, hein. Bordeaux, moins 13, Reims, moins 5, Paris, moins 5, Lyon, moins 5, Chartres, moins 4,5, Toulouse, moins 1,9, plus 12% à Marseille, plus 10% à Nice, plus 7% à Strasbourg. Bon. Alors, on, on peut arguer que la baisse, elle n'avait pas commencé encore en août 2022, donc ça avait peut-être beaucoup de monde, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai un doute. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me surprend. Autre littoral où les prix font de la résidence, l'Atlantique. En Loire-Atlantique et dans le Finistère, Century 21 voit des prix encore grimper d'environ 3%. Et le volume des ventes ne recule que très légèrement. Ce sera d'ailleurs la clé du marché des prochains mois. La vraie baisse globale des prix n'interviendra que lorsque la baisse des ventes sera plus forte. Et général. On a, plus 23, on a une baisse des ventes de 23% à Paris, ça me semble assez fort et général. Bon. Enfin, à Paris, oui, d'accord. Pas partout en France. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, vraiment, je vous dis, hein, je pense qu'on est devant. Vous savez, la baisse s'accélère clairement. Clairement. Elle s'accélère. Ok, il y a des villes comme Marseille et Nice qui sont encore un mystère, on va voir. Century 21 nous dit aussi Brest. Là, si vous, avez des, si vous êtes brestois, dites-moi ce que vous en pensez. On voit que Bordeaux s'effondre. Euh, C'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de Parisiens qui venaient sur Bordeaux, donc ça a peut-être joué. Euh, pour moi, on est devant. On est vraiment au début de la baisse. Pas au début, maintenant, on est vraiment, vous savez, au moment où ça va s'accélérer. On va avoir une accélération de la baisse des prix de l'immobilier dans les mois qui viennent. Je continue à dire qu'entre novembre 2022 et fin décembre de cette année on aura eu les 10-15% de baisse. Je continue à le dire. Je le pense vraiment. Euh... Et que la baisse est loin d'être finie. C'est-à-dire que 2024, il y a de bonnes chances qu'on continue à avoir une baisse. Dites-moi ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi ou est-ce que vous pensez que non, que je me trompe Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'État fait tout ce qu'il peut pour, qu pour amplifier cette baisse, notamment avec le fait d'interdire quasiment le locatif, enfin de bloquer complètement les achats locatifs, je renvoie à la vidéo que j'ai faite hier. Et puis dites-moi, voilà, si vous avez des témoignages sur votre ville, sur votre village peut-être, sur des témoignages qui vont soit dans mon sens, soit dans le sens contraire, honnêtement, sur cette chaîne, j'accepte totalement la contradiction. Hein. Tant que vous m'insultez pas, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc, allez-y, allez si vous avez, vous, des exemples, et que dans votre ville, non, ça ne baisse pas. N'hésitez pas à me le dire, ou si ça baisse, n'hésitez pas aussi à témoigner. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.